Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de l'aventure Coromon. Et aujourd'hui, opération Turban. Allez, on va s'infiltrer. Vous avez l'air d'un néophyte, êtes-vous l'un des nouveaux stagiaires des gardes du jardin? Très bien, entrez. Oh, merci, vous êtes fort aimable. C'est parti mon kiki. Le ciel semble très bleu aujourd'hui. Bien sûr, je vais pas me regarder au travail. Ah ouais, d'accord. Si je commence à le dire à tout le monde, ça va être la... ça va être un peu... bordélique. Un gâteau. Un autre gâteau. Qui peut bien être notre mystérieux allié à l'intérieur? Il y a un truc brillant là? Non? Si. Vous savez, elle est toujours splendide, Adaruk. Oui. Enfin, en même temps, quand t'as un ciel couvert dans le désert, en général, c'est pas bon signe. Check aussi ma... la team est bien, ça. Vous passez une belle journée, collègue. Vous en êtes sûr? Le ciel semble très bleu aujourd'hui. Waouh, mais oui! Oui, c'est très bon. Le ciel est si bleu en fait que je souhaite discuter de cette question en privé avec vous. Oh la vache. Dans cette pièce. Moi j'entre pas. Je me méfie. Ah, par contre. Je suis heureux que quelqu'un ait répondu à ma note. Des choses étranges se sont produites dans ce palais depuis le petit... accident d'Alon. Un accident. Personne n'en connaît les détails. Il y a eu un accident, un flash de lumière bleue éblouissante provenant de la chambre d'Alon. Nous sommes entrés en courant, mais on nous a immédiatement ordonné de rester dehors. C'est là que les changements ont commencé. Nouveaux horaires de travail, fermeture de la vallée du Levant, dépenses étranges. Et peut-être que le changement le plus étrange est... ces plantes. J'ai jamais vu une végétation aussi étrange de toute ma vie. Elles ont été placées tout autour du palais depuis l'accident. Est-ce qu'ils ont besoin de certaines plantes pour avoir... une énergie, une atmosphère ou quoi? Alon et ses nouveaux gardes du corps viennent régulièrement ici et... en parlant de ça, vous entendez ça? Ça doit être eux. Cachez-vous! Enfin, de l'air frais... C'est vraiment ça! J'ai tapé au pif! L'oxygène dans ce climat est suffocant, absolument dégoûtant. Bah, techniquement, l'oxygène, c'est un gaz nocif hein, de base, donc... Pourquoi tu ne parles pas normalement? Désolé, c'est une mauvaise habitude. Bon, ça nous donne assez de temps. Ça nous donne assez de temps pour arriver à la vallée du Levant. Dansons encore une fois sur l'air de cette langue primitive. Je sais pas ce que ça voulait dire là-bas. Ah, c'était vraiment étrange, pas vrai? Ces deux-là travaillent en étroite collaboration avec Alon. Ils visitent souvent sa chambre. On dira pas ce qu'ils y font. Sûrement du bridge en douce. C'est là que tu dois aller, dans la chambre de Alon. Je sais que quelque chose s'est passé là-dedans. S'il te plaît, découvre ce qui se passe, mon ami. Je dois maintenant retourner à mon poste. Ce sera un miracle s'ils n'ont pas encore remarqué que je suis parti. Oh la vache. Donc, pour résumer, en fait, ce jeu, c'est un Pokémon-like, avec des guillemets, sur fond d'invasion extraterrestre. C'est pas mal, hein? L'idée, elle est là. Par contre, la chambre d'Alon, elle est où? Et vous, là? Ah, il a pas l'air commun, lui.
Pourquoi n'êtes-vous pas à votre poste? Eh, chez la recherche... Ah, vous cherchez l'entraînement des gardes du jardin du palais? Vous avez pris un mauvais tournant, alors. Nous étions sur le point de commencer la session de formation d'aujourd'hui. Venez avec moi. Oh non... Qu'est-ce que vous faites? Je veux d'abord délivrer un message à Alan. Ça n'a aucun sens. Vous devez savoir que nous ne pouvons plus entrer librement dans sa chambre. Maintenant, suivez-moi à l'entraînement. Les autres élèves doivent être impatients de commencer. Hé, merde... Vous avez pris votre temps, 5 minutes à l'avance, c'est la règle. Vous devez prendre l'entraînement plus au sérieux, ou vous ne serez jamais autorisé à rejoindre la garde du jardin de palais. Ok, commençons. Vous avez tous revu vos formations? Présent, toutes les nouvelles recrues devraient être capables d'exécuter la formation de patrouille 12 sans problème. Est-ce que je vais m'entendre? Très bien, préparez-vous à me montrer la formation de patrouille 12. À mon signal, c'est parti. Ouf, t'es... Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai jamais vu une formation aussi mal exécutée. Qui êtes-vous? Donnez-moi tout de suite votre code d'identification de garde. Mon code d'identification de garde. Putain, je chope la voix de Billy de Bob Lennon maintenant. Merde. Et on va maintenant, qu'est-ce que c'était 80-085? Hein? C'était pas comme ça? Imposteur! Par ordre de l'estime Alone, je vous mets en état d'arrestation. Attendez, je vais être honnête, je suis ici pour... Garde! Exécuter la formation 66! Exécuter l'ordre 66! Oui, monsieur! Oh mon dieu! Oh, il y a des rêves partout, c'est très chouette ça! Pas assez chouette les petits traits! Vous serez transféré du bloc de la prison! Au bloc de la prison! Là, nous découvrirons qui vous êtes et ce que vous faites ici! Non, pas tout ça, temps, s'il vous plaît! Escortez le prisonnier jusqu'au donjon! Oh la vache! Ah, je me suis fait carotte. Ah, excusez-moi. Cellule numéro 4, ouvrez. Laissez-moi mes couronnes. D'accord, espèce d'ouvrien. C'est parti. Mais je m'appelle pas Aladdin. Ne me faites pas attendre, vous avez commis un crime, maintenant vous devez purger votre peine. Et de combien? Fermez-la bien et jetez la clé. What? Jetez la clé, monsieur? Nous avons des scanners d'iris maintenant. C'est l'expression, asseyez-vous. Assurez-vous juste que la cellule est bien fermée. Oh mon dieu. Ah j'adore. Jetez la clé, mais on a plus de clé. Bon travail les gars, reprenons la formation, je vous rejoins dans un instant. C'est un des bleus bit. Quant à vous, Alan décidera lui-même de votre sort, quand il aura du temps à vous consacrer. Ce qui, d'après mes calculs, devrait être... dans environ 6 ans. Elle est bonne. Si vous espérez trouver un moyen de vous en sortir, personne n'y est arrivé, et a survécu pour le raconter. Ah, génial. Bon. Je vais vérifier l'intérieur. Oui. Rien de spécial, juste une brosse à dents usagée en forme de silver pin. Ouais, des os. Ouais, toujours des os. Ouais, des os. C'est excellent. Je vais tout vérifier, hein. C'est... Ah, attendez. Au mur. Un mug avec un liquide douteux à l'intérieur, dois-je le boire? Non. Je vais faire une petite sieste. Non, héros, tu dors pas, les héros ne dorment jamais. Il y a petites inscriptions ici, les consulter. Cris, t'as regardé. C'est le même genre de vanne que je mettrais, c'est ça le pire. Je serais du genre à mettre des faux hiéroglyphes et puis quand c'est traduit, celui qui lit ça est un fils de dromadaire, ce genre de conneries. Consulter. Ouais. Attendez, mais... Bon, on va boire le... Ceci n'est qu'un jeu. Heureusement. Ah, c'est génial. Il a bu de la pisse, quoi.
Mec, arrête de faire merder, ton service est terminé. C'est vrai, yahou, il est temps de prendre l'air. Ne crois pas que tu sortiras un jour d'ici, déchet. Tout ce qui est là-dedans est 100% résistant au gantelet. Un appel? Pas sûr que je sois autorisé à parler ici. Oh, ça prendra pas longtemps, mon cœur. J'aimerais chanter une chanson pour toi. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. What? Nani? J'espère que tu passeras une journée très spéciale. Merci, maman, nous devons en parler plus tard. Hein? Merci, maman, mais je suis en prison. c'est génial. C'est génial, quoi. Alors, attendez. Nouveau message de Dexter. Joyeux anniversaire, Eryx. Maman a dit que je devrais mettre mon jeu en pause et t'envoyer un message. Alors voilà, un message. Et va te faire foutre. Et les gantelets ne servent à rien. Les barreaux sont trop résistants. Attendez. Non, c'est pas un objet que je veux, c'est ça. On va essayer tout. Hein. Même si c'est idiot, on va tout essayer. Ah, je m'en fiche, hein. Bon, d'accord. Allez, on fait une sieste, hein. Prisonnier, réveillez-vous, debout. Qu'est-ce qui se passe? On va mettre un gâteau? Bonjour, monsieur. Eh, la politesse ne vous servira à rien ici. J'entre. Ah, c'est pas là, contre le mur. Ok. Qu'est-ce que... Silence. Bref, le petit déjeuner va maintenant être servi. Oui. Pourquoi tu toujours la manger? What me? Oh. Une pomme pourrie. Une pomme pourrie? Ah, je vous jure, là, je suis vraiment en train de me dire, qu'est-ce que je dois faire? Alors, les encens... La pomme pourrie, il se trouve où? Ouais. Pourrie jusqu'à la moelle. On va essayer. Je vais vomir partout, quoi. Quoi, c'est tout? T'as servi qu'à ça? Non mais changement de garde. L'équipe du matin est arrivée. Faites attention, le prisonnier semble avoir un comportement défiant. Tu te fiches de moi, je dors tout le temps. Le ciel semble très bleu aujourd'hui. Hein? Ah ouais, il fallait bien attendre. Je me suis dit, il y a l'autre qui va m'aider, c'est pas possible. Hé, hey, Eryx, baisse le ton, c'est moi, Mammouth. T'as mis une moumoute, Mammouth? Quand j'ai entendu parler de ta situation, j'ai travaillé dur pour obtenir un poste ici. Mais malheureusement, je ne peux pas risquer mon travail, donc je vais devoir faire comme si tu t'étais échappé. À partir de maintenant, tu vas être complètement seul. Merci pour toute l'aide. J'ai rempli mes poches de gâteaux, donc si les choses deviennent difficiles, prends-les. Maintenant, vas-y, vas-y, mon ami. Trouve un homme. Ah, il s'est assommé. Ils sont dans ma poche gauche. Alors, attendez, est-ce que je peux me rhabiller avec la tenue? Pour... On sait jamais, hein. Ça... Peut-être que je pourrais passer inaperçu. T'es le seul garde à avoir des lunettes. S'il vous plaît, laissez-nous sortir, on n'a rien volé.
Ah, je peux pas le laisser sortir. Fuck this shit. C'est quoi ça? Un fruit. Ok. Oh, c'est sympa. Opération Turban n'a pas bien réussi. Mais c'est pas grave. Opération Turban du désert maintenant en cours. Ouais, j'ai des idées de nom de merde après. Ah, c'est ça. Après, j'ai dû être arrêté à tout prix. Bon, écoute, je vais te défoncer ta race. Tinchel. Ah, pardon, je t'ai fait mal. Oh oui, j'ai switché l'électrique pour mettre l'autre type sol à la place. On va switcher. On va prendre Phibio, parce que Phibio va être celui qui va devoir faire le plus de dégâts au titan. Vu que ce sera un titan de sable, hein, on est d'accord. Oh, augmenter ta def ne t'aidera pas. Esquive. Ouais. Level 37. J'espère qu'il évolue bientôt. L'attaque SP. Ouais, ça va, je suis plutôt bien. Ouh! Oh, il y a une erreur en fait en évoluant le machin. Trop furieux. Il a complètement pété un câble, ok. Ah, les évolutions sont vraiment sympas. Alors, honnêtement, le jeu, je le trouve super cool. J'espère juste. C'est personnel, hein. Je sais pas si les devs projettent de faire ça, si le jeu marche bien ou quoi. Mais qu'il y ait un second, plus touffu, avec plus de coronavirus, ce serait super, je pense. Alors, toi, vu que c'est la def que t'as principalement d'élevé, tu seras un tank, donc hop, voilà. Comment je peux t'arrêter si t'es inarrêtable? Bah, tu peux pas. Alors, il y a un coffre en dessous, est-ce que je vais le chercher? Ouais, allez. Ce sera de la merde, hein, mais. Un criminel! C'est ma chance d'être dans les petits papiers du capitaine de la garde. Moltaï. Oh. J'aimerais bien en avoir. Hein. J'aimerais bien avoir quasiment tous les coronnes, ils sont tous très classe. On va utiliser ça. Une quiétude 4, c'est tout. Ah ouais, mais bon. Ah mais non, je suis pas d'accord, il me brûle, ouais, oh. J'ai le fric à nul, donc il va... Ah ouais. C'est comme ça, alors on t'en colle une deuxième. Magnitude 7, allez, mange. Potentiel éveillé, on va juste booster la vitesse, l'attaque, hein. On va taper comme un sourd, c'est tout. Level 30, yay, yeah, cool. Serpike 32, sympa. Un gélish. Là par contre... Attendez, non, j'ai un truc pour... Ça normalement c'est super efficace, il me semble. Voilà. Bah oui. Prends ta gélatine. Level up.
6. Ouais, il arrive à reposer. Ouf, magnitude max, quasi. Enfin, je sais pas s'il y a magnitude 10 en fait. J'ai eu que du 9 max, donc il y a peut-être pas de 10. J'ai perdu. Quand le capitaine Lagarde le découvrira, il me mettra de corps de nettoyage pour genre toujours. Ah bah pas de bol. Hein. Écoute, va sucer un cactus mon gars. Le fruit cadeau. On va l'échanger avec Fibio. J'ai rien pour soigner le la brûlure. Moi. Non, j'ai rien. Mais je me demande si la pomme pourrie, j'aurais pas dû la garder. Plutôt que de la bouffer comme un gros débile. Ah non, Alone, c'est par là. C'est la buanderie. Les vêtements de Monsieur Alone sont là-dedans. Je les protégerai à tout prix. Et tu renifles ces culottes, tant que tu es. Ah, je vais être beau, hein. J'en ai rien à cirer. Oh mon dieu, quoi. Faut que j'y compresse. Alors. Je suis un peu overlevel pour tous mes Coromon. Chaque fois que je dis Coromon, en plus j'ai envie de jouer à Digimon. Je ferai peut-être un jour tiens, sur la chaîne Digimon finalement. Enfin, ça m'emmerde parce que le jeu est en anglais, donc il faudrait que je traduise tout. Enfin, ça m'emmerde, entre guillemets. Mais c'est une idée. Level 38, il évolue. Parfait, parfait. Tu vas devenir quoi, un gros crapaud? Ah bah oui. Ouf, oh il est mastoc. Oh il est mastoc. Chonctod. Attaque, attaque. Ouais, l'attaque SP est pas ouf. Défense SP, défense. Ouais, il est plutôt équilibré. Potentiel s'éveille. On va monter son attaque speed du sang pour qu'elle soit un peu plus élevée. Ok, bah écoute. Attaque boule de neige! Oh non, il m'empoisonne, oh méchant. Allez. Le 1640 XP, voilà. Sorti à level 31. Normalement. Voilà. Presque le bras. J'ai battu, mais je vous laisserai quand même pas entrer. D'accord. Oh, d'accord, ok. Je peux vraiment pas entrer en fait. Ce que je vais faire, c'est tout de suite, c'est tout combiné. Ce sont les petits, certes, mais voilà. Et enregistré au cas où. Un encens puissant. Oh oui. Cool. Moins cool. Je vais envoyer dans votre cellule immédiatement.
Les gars, vous fatiguez. Ah, j'ai chopé un Skuldra spécial apparemment. Il y en a un qui est à un endroit. Il y a un Skuldra qui est à un endroit fixe. Et il a un symbole sur son crâne. Je sais pas si ça a une importance ou quoi, mais c'était plutôt chouette. Et finalement, j'ai pas utilisé parce que je sais pas. Je suis bien avec mon équipe. Chonkto de level 39. On voit un Magmilus. Magnitude 9, normalement ça va faire un one shot. Et pouf! 3500 XP. Ah ouais! Le Cynthia qui reçoit 1700. L'essentiel s'éveille. Les bureaux, les remontées de votre cellule, s'il vous plaît. Ah, le mec, il fait quand même, s'il vous plaît. Vous voulez bien, non? Sinon, je vais avoir des ennuis. Un gâteau combiné. Voilà, passez comme une lettre à la poste. Il va y avoir le capitaine des gardes à un moment donné. Pas possible. Alors on va déplacer l'objet. Je vais augmenter Magmilus doucement. Je suis pas là, hein. Faites pas attention. Un gâteau PV. Un gâteau PE. Quand faut y aller. Et lui qui voit, le prisonnier. Il me fait penser au mec dans Indiana Jones, ce barbu qui joue avec son sabre dans le premier Indiana Jones et qui se fait buter le tir de fusil. Normalement, je m'attendrais à ce qu'un prisonnier essaye de s'échapper vers l'extérieur, et pourtant, voilà, vous vous enfoncez dans le palais. Pourquoi insistez-vous pour visiter le cabinet de Monsieur Allon? C'est vrai que... Fermez-le! C'est une question rhétorique. Les raisons n'ont pas d'importance, les ordres sont les ordres, et les bons gardes suivent les ordres. Je vais personnellement vous escorter jusqu'à votre cellule, où vous allez pourrir pour le reste de votre vie. Ah ouais, il en a 5! D'accord, ok. Il déconne pas. Il déconne pas. Sieste horrible. Oh non! Précision diminue. Ok. Tu veux te la donner comme ça? On va sortir l'artillerie lourde, non? Avoir le super drainage sur Total, ce serait sympa. Pic fantôme. Aïe 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 aïe. Loupe pas ton attaque, loupe pas ton attaque. Le axe de merde. Oh, va te faire foutre. C'est toujours la même chose pour ça. Max n'a pas joué. Oh bordel. Mais bon, c'est pas grave, Serpike. Super drainage. Ouch. Un partout. Serpike level up, yay. Yeah.
Bon, c'est un petit blaze, donc là on va... Oh, sympa l'animation. Là on va switch. Magmilus. Magmilus qui n'a pas d'attaque très impressionnante en tout cas. Épique. Pergilis seulement, ok. Et puis on disparaît. C'est super efficace. Allez. Oh, presque level. Dommage. Serpike potentiel s'éveille. Kyraptor. Wow. Classe. Switch. Ce serait un type quoi ça? On va parier sur un type sol. Enfin un type sable, pardon. De toute façon c'est un sable ou un normal je dirais. Oh non. Oh, j'ai eu peur qu'il me le one shot. Type sable, ok. Et tu te fais empoisonner. Allez. Ils ont tous des fruits, quoi. Oh. Allez, tiens, prends ça. Oust, dur. Dur. Magmilus qui gagne un niveau. Potentiel éveillé. Hop, attaque SP. Beaty Ballot, j'ai. Switché, Doctara. En fait, jusque-là, c'était presque une promenade de santé le jeu. Puis on vous flanque un boss qui a 5 cornes. Et on est à. Ah, ouais, d'accord. Il rigole un petit peu moins. Ouch. Donc sismique, allez. Dégage. Cynthia level 33. Ah, la brûlure elle part pas hein. Magnitude 10. En fait il n'y a plus de palais là. J'imagine le caca revient. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai reçu une attaque et ça fait magnitude 10. Oh merde. Il n'y a plus de ville longue à mon avis. Ah il en reste un. Oh! Sympa la tortue! Ciao! Jonto de level 40. Bien! Puis d'acide débloqué, c'est quoi? Puis l'acide tombe du ciel, réduit de 2 cran la défense de l'équipe adverse. Sympa, mais. Voilà. Ouf. Il est plus brûlé maintenant. Non, impossible. J'ai essayé de tomber à l'aune tout d'un unique. Vite, on passe. Et attends qu'elle aille. Blablabla.
Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai jamais vu la chambre d'un homme aussi mal rangée. On dirait une forêt tropicale ici. Au secours! Aide par ici! Ça ressemble à Alan! Ah, le mec, il est saucissonné! Monseigneur, laissez-moi vous détacher! Eh, mais c'est pas trop tôt, je vais aller au WC! Enfin! Monsieur, qui vous a fait ça? Peu importe qui, je les traquerai personnellement. Ceux qui m'ont fait ça, ce sont ces gens bleus! Je me suis attaché depuis un certain temps maintenant. Mais dès qu'ils ont appris qu'un prisonnier s'était échappé, ils en ont profité pour enfin s'enfuir. Pourquoi êtes-vous encore là? Je veux que vous le trouviez à tout prix! Voyez tout le palais immédiatement. Oui, tout de suite. J'ai besoin de réfléchir un moment. Essayez de vous rappeler les détails importants de mon emprisonnement. L'un d'eux s'est fait passer pour moi, les deux autres pour des gardes. Ils m'ont maîtrisé avec une étrange magie, me rendant invisible, me privant de ma capacité à bouger. Ils ont apporté d'innombrables plantes étranges et les ont passées partout. Plus important, ils ont pris le pouvoir. Qu'ont-ils fait? Aucun de mes objets de valeur ne semble avoir disparu. Je n'ai jamais entendu dire que la ville était compromise. Bah, ils ont enfermé la vallée du Levant. Ils ont fait quoi? Attends, comment c'est vous ça? Qui êtes-vous? Peu importe, ça n'a pas d'importance. S'ils ont enfermé la vallée, ils ont volé. Je vais y aller, dans la vallée, immédiatement. Ah oh bordel, oh le dawa. Non, je le savais, mes postes de forage, ils sont plus là. C'est certains voleurs, ils ont volé mes stations de forage. L'or, ça rend vraiment les gens fous. Monsieur Allen, ça n'a rien à voir avec l'or. S'ils étaient juste des voleurs, alors pourquoi auraient-ils laissé derrière eux cette magnifique pierre? Quel mystère, il n'était pas là pour l'or, avec toutes ces pierres précieuses à s'emparer. J'avais aucune raison de... Désolé, chaque fois que je vois une lime, ça me fait rire. Je ne vois aucune autre raison d'utiliser des stations de forage. Bah si, pour percer la chambre. Peu importe pourquoi ils les ont prises, je veux juste les récupérer. Elles m'ont coûté une fortune et demie. Je ne trouverai pas le repos avant de les avoir trouvées. Je ferai même jouer mes relations de longue date chez Lux Solis au besoin. Mais tout d'abord, je vais m'occuper de la ville. Il y a des pièces à nettoyer, des enquêtes à mener, et des gens à virer. Ah, la réaction. Ça, c'est le même que je connais. On a réussi, Eric, on a atteint la vallée du Levant. Maison, mission. Monsieur. Mission accomplie. Mais il n'y a plus de station de forage. On dirait bien que mon équipe et moi ayons à louer certaines de ces pelleteuses à la place. Pelleteuses? Ok. On sera au moins capable de faire un peu d'argent. Eh bien, à l'aventure. Allez les gars, prenez votre pelleteuse. Oh la vache, pelleteuse. Et continuez à creuser. Et Eric, merci du fond du cœur. Pas de quoi. Vraiment pas de quoi, et je crois que c'est le moment idéal pour faire une pause. Voilà, je pense que c'est le moment idéal, oui. Allez, on va s'arrêter ici. C'est sympa, franchement, parce que le jeu a un rythme assez soutenu. Il n'y a pas vraiment de gros temps mort ni quoi que ce soit. C'est vraiment chouette, et ça donne envie d'aller plus loin. Et franchement, les devs, je crois qu'ils sont deux. Les devs ont fait un beau boulot, c'est vraiment bien pensé. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte, voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao !